Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science te parle. Aujourd'hui, nous allons reparler d'open access et de publication parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir posé les questions et notamment une chose qui revient le plus souvent, c'est de dire que si les projets sont financés par l'argent public, alors le public paye deux fois pour lire et publier et que donc ça n'est pas normal parce que l'argent vient du public et que donc la publication devrait être un accès libre pour le public. Le problème de ce raisonnement, s'il paraît juste en apparence, et je sais que c'est le raisonnement qui était dans la vidéo de Dirty Biology, c'est qu'il n'est pas complet et le fait qu'il ne soit pas complet le rend inexact. Je vais vous montrer deux exemples pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il n'est pas complet. Et en fait, pour ces deux exemples, je vais prendre tout simplement mes publications. On va d'abord parler de la dernière de mes publications. Alors vous les aurez en lien si ça vous intéresse. Là-dessus, qui date du mois de mars 2021, donc il y a un mois, un peu plus d'un mois au moment où je tourne, qui a été publié le 1er mars. Alors, c'est une publication qui vient de mon équipe en Italie, parce que j'ai fait ma thèse en Italie, et qui date, c'est-à-dire que c'est le projet, la fin de mon projet de thèse en Italie, il faut toujours plusieurs années avant de publier. Et dans cette publication, nous sommes tous dans un laboratoire en Italie, pas toujours dans le même laboratoire, mais en tout cas dans la même université, Università degli Studi di Padova. Sauf une personne qui est Marco Poglich, qui lui vient de la société Atokant. Et Atokant, c'est une société autrichienne qui travaille sur les peptides du système rhénanie-angiotensine, sur les mesures de ces peptides, et qui nous a donc aidé pour cette publication. Alors la question donc, c'est si vous dites que ça vient du public, on va dire que les fonds viennent de l'Italie essentiellement, parce qu'il n'y a qu'un auteur finalement d'une boîte privée. Mais si cette boîte privée ne veut pas que l'article soit mis en open access, la question c'est qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que la question est un peu difficile. Maintenant, je vais prendre un autre article qui est l'un des derniers aussi que j'ai publié, celui-ci. Alors celui-ci est une étude clinique sur adrenal vein sampling, puisque je travaille sur les surrénales et sur le rein. Et là, par contre, c'est une étude qui a été faite dans le monde entier. Et si vous regardez, alors vous le verrez en bas dans la publication, et vous pouvez le voir aussi sur PubMed, quand vous mettez sur PubMed, vous avez les affiliations. Alors, je ne vais pas toutes vous les donner, mais juste quelques-unes. Donc, il y a l'Italie, il y a la France, Paris. C'est de là aussi d'où j'ai sorti les données, puisque j'ai fait ma thèse entre Italie et Paris, enfin, entre Padoue et Paris. Vous avez donc Prague, vous avez la Pologne, vous avez le Canada, vous avez Kyoto au Japon, vous avez l'Australie, vous avez les États-Unis, vous avez Taïwan, vous avez Taipei, vous avez United Kingdom avec Glasgow. Donc on voit que vous avez plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs universités, des dizaines d'universités. Si vous dites c'est de l'argent public, c'est payé par mes impôts, donc ça doit être en public, comment pouvez-vous déterminer ce qui vient de l'argent public américain, ce qui vient de l'argent public anglais, ce qui vient de l'argent public allemand, ce qui vient de l'argent public italien, ce qui vient de l'argent public français, ce qui vient de l'argent public australien, ce qui vient de l'argent public japonais? Vous voyez que c'est compliqué. Et finalement, si vous avez une équipe qui dit on ne veut pas le publier en open access, parce que les lois du pays font que, ou parce que la recherche est financée de manière différente dans ce pays par rapport au nôtre, comment vous allez justifier, vous, que vous voulez impérativement que ce soit fait dans ce pays-là? C'est-à-dire que vous justifiez le fait que ce soit de l'argent public et donc ça doit être mis en public. Vous voyez que lorsque l'on a ce type de raisonnement, la réalité est beaucoup plus compliquée et donc il est difficile à tenir. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'open access, c'est de dire qu'on va payer pour publier, mais que ça va être gratuit à lecture et donc gratuit pour tout le monde, et ce, quel que soit le pays. Donc on n'a pas l'idée d'impôt ou d'argent public, on a vraiment l'idée que l'article va être mis en lien gratuitement pour tout le monde. La question qui se pose ici, c'est à qui va servir l'open access? Est-ce que l'open access va servir qu'à la communauté scientifique ou est-ce que l'open access va aussi servir au large public qui a envie de se renseigner là-dessus? Et l'un de mes abonnés m'a dit, je ne sais pas, tu nous as dit à la fin de ta vidéo, de ta dernière vidéo, qu'il était impératif que le public s'intègre dans cet open access et que le public fasse bouger les choses. Il m'a dit comment tu veux qu'on le fasse parce que c'est la communauté scientifique à le faire. En fait, le public a un rôle à jouer par l'intérêt qu'il va porter à tel article, par l'intérêt qu'il va porter à telle histoire. Et on le voit avec la Covid. Vous avez tous les articles qui ont été mis en open access, tous les articles sur la Covid sont en open access et on voit l'intérêt du public.
Parfois, il ne comprend pas les publications et ça peut sortir du tout et du n'importe quoi, mais on voit l'intérêt du public pour la science et ça peut faire une pression sur les publishers pour dire, voyez l'intérêt du public pour la science et il y a sans doute dans ces gens-là du public des gens qui vont expliquer à d'autres les publications, qui vont expliquer à d'autres, par exemple, les essais cliniques, qui vont expliquer à d'autres ce qui se passe dans un laboratoire de biologie. Et donc, on va favoriser la connaissance au niveau de l'humanité tout entière. Il faut bien comprendre que l'open access, ça n'est pas un problème pour les pays riches, c'est aussi un problème pour les pays pauvres, je parle, au niveau de la communauté scientifique, parce que, et je vous ai parlé de l'histoire de ce Colombien qui avait failli prendre 8 ans d'emprisonnement parce qu'il avait diffusé des thèses de Nature, etc. Parce que dans ces pays, on n'a pas accès forcément à la publication parce que les universités n'ont pas les abonnements. Et c'est d'ailleurs Science Hub, la fondatrice, vient d'un des pays d'Europe de l'Est. Je ne suis pas sûr qu'elle soit russe, mais je crois que c'est un pays à côté, si l'Estonie, etc., ou Biélorussie, je crois qu'il y a Biélorusse, où on a moins de moyens. Donc ça va servir à ces gens-là, ça va servir à la communauté des gens qui ne sont pas dans la science, le citoyen lambda, je dirais, qui va s'intéresser à la science, qui va vouloir expliquer tel phénomène, faire comprendre tel phénomène, et comprendre pour lui-même tel phénomène. Et peut-être aussi que cela va permettre à des petites entreprises d'émerger, et des ingénieurs qui n'ont peut-être pas accès à tel ou tel pan de la recherche scientifique, grâce à l'open access, vont en avoir accès. Donc on va avoir l'émergence de petites sociétés. C'est donc par l'intérêt que vous, non membres de la communauté scientifique, le public portez aux articles scientifiques qui permettra de faire pression sur les publishers pour avoir de plus en plus d'open access. Il faut savoir qu'on est vraiment dans un mouvement d'open access, mais il y a un frein à cet open access qui est le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, si l'on ne paie pas pour lire quelque chose, c'est que le quelque chose n'est pas valable. Et je vais vous donner une image que l'on m'a donnée en congrès, un Américain qui me le disait. Il m'a dit, écoute, imagine que tu aies deux Mercedes, une à 40 000 dollars, une gratuite. Laquelle prendras-tu? Il dit, moi, en tant qu'Américain, je prendrai 40 000 dollars parce que je me dirais que si l'autre est gratuite, pourtant, sont exactement les mêmes. Même modèle, même année, même hauteur, même kilométrage, tout ce que vous voulez, tout pareil. Même option, mais je prendrai celle à 40 000 parce que je n'aurai pas confiance à la gratuité en me disant si on me la donne, ce qui est un problème. Et les Américains sont dans cette mentalité-là de dire si un article est gratuit, c'est qu'il n'est peut-être pas bon. Donc ça, c'est la limitation d'open access pour la communauté scientifique, la limitation d'open access pour le large public. C'est en fait certaines études qui vont être utilisées pour la politisation de la science. On va parler par exemple des études de médecine, ce que les Américains appellent médecine raciale, qui n'est pas la médecine raciale, mais on va dire, tiens, une telle composée est plus efficace sur les Afro-Américains que sur les Hispaniques ou les Blancs, parce que nous savons que, par exemple, nous avons un certain nombre de cytochromes dans le foie qui sont différents. Ce sont juste des différences biochimiques qu'il y a entre les différentes ethnies humaines, et certains vont l'utiliser pour la politique, en disant, regardez, vous avez vu, les Noirs sont différents de nous, donc ils sont inférieurs, etc. Et c'est ce que fait d'ailleurs Daniel Conversano et Hassan Occident, que j'ai combattu des années, que je continue, où ils utilisent des articles scientifiques qui ne comprennent pas, qui comprennent mal, qui ne savent pas juger, et ils poussent ces idées-là sur Internet par rapport à ces articles. Donc il y a une limitation au niveau de la communauté scientifique, il y a une limitation au niveau du public. Les deux ont rôle à jouer, ne fera pas l'open science tout seul. Donc voilà, c'était la réponse à certaines de vos objections et la réponse à la question de l'open science pour qui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre la petite cloche. Les vidéos sur les publications anciennes sont moins de vues que les autres. Je trouve ça un peu dommage parce que là, on est vraiment dans la technique scientifique, avec Technique Human Scientific. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager les vidéos. Je vous remercie. Mettre un commentaire, je vous répondrai soit en vidéo, soit par écrit. Au revoir.